C'est la reprise. Normalement, ça y est, c'est parti. C'est le retour. C'est la fin des vacances. Bonjour à toutes et à tous. Hola. Hola. Et bon à tous. Et à bon tous bonne rentrée. Ça y est, c'est le retour du Fronty Game Mag. Il est 19h, il est 19h. Il y a, il y a, il y a plein d'horloges partout. Il y a ma montre qui ne fonctionne pas. Elle est restée à l'heure des vacances, elle n'a pas voulu rentrer de vacances. Oh bon dia. Bonjour à toutes et à tous. Ça y est, nous sommes le vendredi 8 septembre. C'est bien ça, hein je me trompe ça. pas C'est ça. Mais par contre, je crois qu'il est 13h. Pas... 19h. On a 19h parce que. Ah, j'ai dit 19h. On est diffusé tellement partout maintenant. Mais ouais, mais il est 13h. Nous sommes vendredi 8 septembre. Tu fais bien de me reprendre. C'est l'émotion de la reprise. Ça y est, c'est la fin des vacances. C'est le retour du frantugais Mag. J'espère que vous êtes bien rentrés de vacances, que la reprise se passe bien. Toi, la rentrée s'est bien passée Nickel, nickel. Oui, ça va. Ouais. Tu vas nous raconter ça parce qu'il y a plein de choses à raconter pas mal de choses à raconter. Mais ouais, parce que toi, comment, je... hein, on a vécu encore des moments euh, de plein d'émotions. C'est vrai, c'est vrai. Ah Et Je suis ravi d'être là, je suis ravi d'être là. Ça y est, on a Fefe, Nanda qui est avec nous. Hola, boa tarde. Hola, Claudette Antoun, je te Première chose, les amis, à nous dire, c'est dites-nous si vous entendez bien, dites-nous si vous nous voyez bien. Au niveau du son, c'est très important. Dites-nous également si la voix, ce que l'on dit, correspond bien au mouvement des lèvres. N'est-ce pas Est-ce <laughs> qu'on est bon ça, c'est la chose importante à savoir déjà pour nous, pour savoir si l'émission est bien diffusée. Ça y est, vous êtes 30 en direct à présent, maintenant avec nous. Ça monte, ça monte. N'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à envoyer le lien à vos amis pour... Pour regarder, pour découvrir ce premier épisode de la rentrée. Euh, ça y est, on a une réponse de Manuel Diaz. Si, ils sont regarde Ah, obrigado. <laughs> oh, Merci obrigado. Ben, voilà, commencer une émission comme ça, une, une rentrée, c'est pas mal. Ouais, on est beau et modeste, surtout <laughs> humble. T'as vu <laughs> En tout cas, ça fait super plaisir de vous retrouver et d'être avec mon invité que vous allez découvrir au fur et à mesure de cette émission. Peut-être certains d'entre vous le connaissent, l'ont déjà vu. Moi, je le connais depuis très longtemps et ça faisait un moment qu'on discutait, qu'on papotait pour savoir quand est-ce que tu tu pourrais euh, venir me rejoindre et participer à l'émission. Et ça y est, on avait une date, on l'avait calé au mois de juin, mois de juillet, mm. et on s'est dit, ben voilà, on attaque le Front Game Mag à la rentrée avec toi. Bonjour mon ami, je vous présente Monsieur. Est-ce qu'il y en a qui ont deviné Ah, oh là, la voix est en décalé. Ah, est-ce qu'elle est beaucoup en décalé hum, Est-ce que c'est beaucoup Est-ce que c'est gênant Ouais, est-ce que c'est juste un tout petit peu Ah, Jorge dos Santos, toi tu vas au Portugal. Oh là Ah, il y en a qui disent que le son est nickel. Ah. Bon, alors est-ce que ça dépend aussi des portables, des endroits où vous êtes Est-ce que vous êtes en Wi-Fi sur votre portable, en fonction de la captation Peut-être ça, ça se dit, ça, la captation Ouais, ça se dit. La, la, la technique. Je... La connexion. Je... La connexion. De... Je... On Patrick, tout de même Dites-nous par exemple si, voilà, au Portugal, est-ce que vous entendez bien Est-ce que le son, l'image est nickel Et oh, bah, nous, on va parler, et puis bah, voilà, l'émission va commencer. Vous nous dites au fur et à mesure s'il y a des choses qui ne vont pas, parce qu'il y a plein de nouveautés. Il y a notamment, normalement, une nouvelle image. Normalement, par rapport au Frontugais Mag d'avant les vacances, il y a une nouvelle image. Euh, C'est une nouvelle caméra qui permet d'avoir, bah, j'espère, une meilleure image, un meilleur focus, pour que vous puissiez profiter davantage encore de la, de la qualité de, de visionnage. Sur votre portable. C'était le but. Euh, comme bah, Je fais un petit bilan rapide, comme c'est la première émission. C'est pour ça que je suis super content que tu sois là, parce qu'on bah, va commencer avec de la joie, de la bonne humeur. Il y en a qui ont deviné. Euh, il y a un indice de ce que fait mon, que fait mon invité euh, sur son côté gauche. Il y en a qui en ont parlé déjà. Euh, on va écouter beaucoup de musique, parce que j'ai le plaisir de recevoir monsieur Dani Seralva. Obrigado. Tout le plaisir est pour moi. Ça fait très, très plaisir d'être là avec toi, José. Et euh... De voir tout ce, tout ce travail toute cette euh, évolution euh, c'est très très impressionnant et merci merci beaucoup merci, merci ça fait plaisir parce que ben, justement voilà l'émission bah ben, maintenant elle a commencé elle a reprise dans sa nouvelle version il y a un peu plus d'un an c'était en juillet euh, 2022 du coup c'était à Dijon à Dijon, j'allais jouer à Dijon et j'ai relancé le concept de l'émission. J'avais commencé avec l'émission en direct avec la caméra de mon, de mon PC. Après, j'ai pris une caméra pour avoir un meilleur son. Et puis après, j'ai décidé de tout faire en direct avec euh, mon portable. Donc j'avais investi dans un portable sans savoir si l'émission allait perdurer ou pas. Euh, on avait commencé les premières diffusions avec 4, 5, 6 000 visualisations. Et puis en juillet dernier, on a on est arrivé à une moyenne de plus de 10 000 vues par émission dans en moyenne entre 20 et jusqu'à 30 pays différents ce qui est juste incroyable et inimaginable pour moi de l'émission francougayma que ce soit en France euh, Portugal Espagne Belgique Luxembourg euh, en Angleterre en Allemagne mais aussi euh, en Argentine au Brésil en Angola au Mozambique dans tout plein de pays lusophones mais aussi en Australie et même aussi vers les dernières émissions des personnes qui regardaient de plus en plus et qui nous regardaient du Vietnam. Ah ouais, quand même, ça, ça fait du Vietnam. Donc voilà. euh, des Portugais au Vietnam, tu penses Alors ou... pour non. la petite histoire, oui, puisqu'après il m'a contacté et il m'a envoyé des messages pour voilà, m'encourager à poursuivre l'émission et les vidéos. Euh, bah, C'est un Portugais expat qui est marié à une Vietnamienne. Il s'est installé avec sa famille euh, au Vietnam et du coup bah, il regarde les émissions et. Du coup, j'en profite pour dire bonjour à tous et en l'air le Vietnam, puisque je crois qu'ils regardent par contre les émissions un peu en décalé avec l'horaire. Quand ils font dodo, euh, nous, c'est inversé tout ça. Ouais. Bref, du coup, cette fois-ci, bah, on a essayé de passer un nouveau cap avec euh, toute mon équipe. On s'est dit il faut qu'on améliore encore l'image. J'espère que ça va être le cas. Euh, j'espère que le son aussi va suivre. Vous êtes déjà 52 en direct. Et puis surtout, bah, ce que j'espère, c'est que vous êtes de plus en plus nombreux à regarder cette émission, à partager, à l'envoyer, le lien à vos amis euh, pour découvrir avec moi, si vous ne les connaissez pas, bah, mes invités. Vous avez pu constater que tout au long de l'année, j'ai eu des invités artistiques, euh, mais aussi des gens qui ne sont pas artistes, mmh. des gens qui font d'autres métiers, comme par exemple, je, je repense à cette émission euh, où j'ai eu le plaisir d'accueillir euh, la première professeure de portugais à Paris, la première dame à avoir donné euh, des cours de portugais aux enfants des immigrés. Okay. Euh, voilà, donc ça, c'était quelque chose d'important pour moi. Euh, tout plein de choses comme ça euh, qui mettent euh, en avant des histoires, puisque c'est ça que j'ai envie de raconter, au travers des invités, découvrir des histoires. Et du coup, je suis très content que tu sois là, Dani, parce que Dani, je le connais depuis très longtemps. Dani fait partie de ces gens que j'ai découverts. J'en profite aussi pour les remercier euh, de m'avoir invité à quelques années à participer à leur euh, gala. C'était Cap Magellan. Oui. Et Dani, je l'ai découvert au gala Cap Magellan à l'hôtel de ville. Tu vas nous en reparler parce que moi, je t'avais vu chanter. Avec une star de la chanson portugaise à l'époque. Ah tiens un monsieur quand même, Monsieur Lavo Bilac, ouais, euh, Sainte ouais, ouais. Et, hein. et et ouais Et résistencia. juste juste après ouais, ouais. juste après. Avec l'incroyable Lúcia de Carvalho qui est devenue une amie aussi depuis. Et on va en reparler parce que Lúcia, on attend la confirmation ah, mais On l'attend oui. en octobre dans l'émission Le Franc-Tugues-Max. si vous connaissez pas Lúcia ah. de Carvalho, aussi il faut aller regarder ce qu'elle fait. Incroyable. Et donc Dani moi je t'ai découvert euh... Baugala. À ouais. Cap Magellan, c'était euh, une, une belle rencontre parce que bah tout de suite j'ai adoré ta musique. On est resté en contact régulièrement, on s'est croisé ouais. plusieurs fois et on s'est recroisé plusieurs fois en effet sur des concerts, sur des, des événements. Concerts, sur des événements, ouais, c'est vrai que c'est un... Enfin, un, petit, un, petit, monde, un grand monde en même temps, mais c'est, euh, il y a beaucoup de connexions, on a beaucoup de, de gens en commun et il y a des, des gens qui font vivre cette culture portugaise à l'étranger, notamment ici à Paris, mais là de ce que tu viens de dire manifestement c'est pas que à paris puisqu'elle est diffusée dans, dans tous ces pays donc euh, donc c'est bien c'est bien qu'elle vive en dehors aussi du du Portugal et, euh, et voilà. Et Même suis, au Vietnam, on, ils emmènent la culture Même portugaise Vietnam, avec eux. Tu te rends compte Mais moi, je trouve ça incroyable. D'ailleurs, je suis ça. en train de préparer une petite émission sur cette thématique-là. Les nèmes au bacalhau. Mais, <laughs> Mais c'est bon, les blagues <laughs> qu'on fait avec lui. Du coup, <laughs> on s'envoie des blagues. Enfin, c'est lui qui, qui me raconte tout ça. Mais c'est exactement ça. ça. Et euh, du coup, tu vas nous parler justement de toi, ton rapport avec le Portugal. Parce que toi, tu viens de là-bas. Ouais. Justement. Euh, moi, je suis né ici et j'allais souvent là-bas et je vais souvent là-bas. Toi, tu es né là-bas et tu es venu ici. Tu vas nous le raconter un peu. C'est encore un petit peu plus complexe. C'est-à-dire, je suis né ici, mes parents ont décidé de repartir. Voilà. Et après, on est, on est revenu. Mais si tu veux, mes tu premiers Tu as vécu sous... jusqu'à 7 ans Jusqu'à 7 ans. Et mes premiers souvenirs sont vraiment, sont vraiment au Portugal. Donc pour moi, c'est comme si finalement l'immigration elle avait été un petit peu. Un verset, genre de première, deuxième génération, une sorte de... Qu'est-ce que de... tu C'est un bordel du caras. Bon, voilà, on a bourdel on a bordel, on a plein de commentaires qui arrivent, on, 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 les, on, on les lit en même temps, n'hésitez pas à nous poser des questions, vous pouvez poser plein de questions à Dani. Euh, donc toi, du coup, tu as commencé en parlant... Portugais finalement ta première langue c'était le portugais ouais, ouais. oui oui c'est vrai c'est vrai puis après je suis arrivé quand même relativement tôt en France ma bah, c'est ans donc j'ai repris la scolarité là il a fallu euh, un peu reprendre T es arrivé dans quelle marche. classe ici bah j'aurais dû arriver en CE1 mais euh, quand tu parles pas la langue donc j'ai j'ai perdu une année j'ai repris en CP euh, voilà, Il n'y avait pas encore euh, trop de choses pour recevoir les gens qui venaient de, de l'étranger à ce moment-là. Donc j'étais un petit peu lubilin, petit canard. <laughs> on ne donnait pas la main, tout ça. Et puis, et puis voilà, très vite, euh, très vite je me suis, je pense, euh, fondu dans, le, dans cette euh, culture, dans cette société, et gardé bien évidemment toujours euh, une relation très proche avec ma, ma culture d'origine. Non. Alors, du coup, il y a plein de gens qui sont en train d'arriver, ça y est, on est à euh, 60, n'hésitez pas à partager, c'est le retour du Frank tugay Mag, c'est l'épisode numéro 49 déjà. Euh, Est-ce on peut avoir une petite chanson comme ça, Allez, bah, ça laisse le temps aux gens de prendre leur sandwich, de s'installer, de regarder l'émission avec nous et de partager avec bah, une petite chanson Allez, ouais, et ouais. on s'était dit avant en préparant l'émission, avec, on va commencer par ma préférée. D'accord, <laughs> ça me fait plaisir que celle-là te plaise parce que justement c'est la chanson un peu hommage euh, voilà à cette culture, à la culture portugaise et comment moi je, le, je la ressens. Donc euh, c'est un texte que j'ai écrit euh, volontairement en portugais. Le refrain est en anglais, peut-être certains l'ont déjà, déjà entendu. Euh, ça s'appelle I'm Singing For You parce que je chante pour vous, pour toi aujourd'hui aussi avec grand plaisir. Bambis. Bambis. Sou filho de uma alma nobre, de gente pobre, com tesouro no coração, ao favor do carinho do Zé Povinho, que sempre cantou com paixão. As nossas notas não estão num banco paradas e surgem nas noites de desgarradas Dando graça à fama da moraria I'm singing for you When you are on my mind I don't care about time I'm singing for you My people always make me smile I'm singing for you When you are on my mind I don't care about time My people always make me smile. Eu sou o tronco de uma raiz cuja madeira criou guitarra para contar o que foi o nosso caminho pelo mundo um domínio até o ultramar. As nossas lágrimas também são alegria e a voz da Amália espalhou nossa magia. Sou o verso do Pessoa na Jamaica. When you are on my mind, I don't care about time. Singing for you, my people always make me smile. I'm singing for you. When you are on my mind, I don't care about time. Singing for you, yo, my people, oh my people, yeah. Big barabad, big barabad, people joyful, people kind. I I'm singing for you and all peaceful. Man. I miss long, long, long time. I miss it long, long, long time. I miss it long, 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 long time. Long, long time we go there to feel the sunshine, respect and love Boys, we all need to smile. I'm singing for you when you are on my I don't care about that Singing for you. My people always make me smile. Singing for you. When you are on my mind, I don't care about time. Singing for you, yo. So proud to be part of this sunny side. That's why. Parabéns, obrigado! Daniela! Obrigado! N'hésitez pas à applaudir. Attends, il y a plein de commentaires, il y, y a plein de petites choses qui arrivent, plein de messages. Je clique pour que le défilement se mette en place. Margarida Cardoso, t'envoie des cœurs. Fé, Fé, Nanda, des applaudissements. Voilà, c'était ma chanson préférée, celle-ci. C'est celle que vraiment, bah, depuis que je te connais, je l'écoute, je l'écoute, je l'écoute, je l'adore. Et dessus, bah, on voit. Euh, aussi tes influences. Ouais. Musique portugaise, mais aussi musique du monde. Ouais. C'est pour ça que dans la description, je t'ai demandé l'autorisation juste avant, mais j'aime ai, ce terme musique du monde. Déjà, je pense que le, bah, les Portugais sont très doués en musique du monde. Moi, j'ai eu le plaisir de rencontrer Dulce Pontz, ah. qui, qui a parcouru le monde et qui oui, a même. exploré plein de domaines musicaux. Toi tu as tout plein d'influences, mais le reggae fait partie de ta nature, de ta création musicale. Ouais, c'est la base. Enfin, la la base, base, au départ, c'est le, le fado que chantait, euh, que chante toujours euh, ma maman. Et donc, elle a, elle a continué à, à jouer. Maintenant, elle joue même de la guitare. Elle s'est mis à la guitare à 70 ans. C'est toi qui... Alors, je a non, 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 c'est juste qu'elle avait... Elle avait envie, elle chante depuis toujours, je l'accompagne depuis très longtemps et maintenant elle s'est mise aussi à jouer donc pour, notre... pour notre plus grand plaisir. Et donc ça vient de là au départ déjà la musique et puis après moi j'ai trouvé dans le reggae mon expression à moi, mon chemin à moi. Où me est tu as Ah, j'aime bien ce mot, t'es où est-ce que tu as vu? On fait chacun notre petit oui, la la petite tambouille avec des euh, ingrédients C'est pour que ça que j'aime bien ouais. cette, cette métaphore culinaire, parce que c'est exactement la même chose. On a d'abord ce, ce, cette base, et après, bah, j'ai rajouté des, des, des ingrédients. Et j'ai vu d'ailleurs que tu as reçu euh, il y a peu Philippe de qui est quelqu'un que. Tout à que fait j'aime beaucoup, donc j'ai mis dans I'm, I'm Singing For You, la guitare que tu entends, euh, c'est Philippe Tsoz euh, qui je joue, c'est Philippe Tsoz le voilà, monde est trop petit, Philippe grand ouais. abraço <laughs> Il euh, voilà, c'est il a joué sur Passaport, il a joué sur beaucoup de, de sons que que j'ai fait. Euh, donc ne le dira oui. jamais assez, mais Philippe Souza question de guitare. Ah bah c'est la référence, je dirais de à Paris, il est bien. pas que quoi. C'est quand même euh, ouais non non c'est Et un surtout on l'a découvert avec l'émission. Il a une gentillesse, une disponibilité et une ouverture d'esprit. Oui, artistique. C'est vrai, et puis il a été... Alors aujourd'hui, peut-être que c'est un petit peu... ça, ça, ça se fait un... davantage, tu écoutes de la guitare portugaise un petit peu partout, mais euh, Philippe Sosa, il a déjà commencé à faire des choses avec du tango argentin, avec, euh, tu vois, des... Justement, ce mélange et cette, cette euh, famille des musiques du monde depuis, euh, depuis euh, longtemps. On a un en... commentaire de marie Vicente qui nous dit « Muito beautiful, bravo oh, !» <laughs> oh, Voilà, « Muito beautiful, bravo !» On est plein dans la musique du monde. C'est ça, c'est ça. « Muito beautiful <laughs> », c'est une sorte de franglais. Euh, franglais. Franglais, de, de franglais. là, il y a trois il mots. Ouais, ouais. C'est vrai, ça, ça devient technique. Hein. Ta maman chante du fado. Ouais, 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 elle chante très, très bien. Tu et... l'as entendu chanter depuis… Tout petit ouais, bah ouais, ouais forcément. Forcément, tout, euh, tous les anniversaires, toutes les fêtes. Euh, donc, euh, j'étais très, très admiratif. Nous, est... Du coup, est-ce que, es en enfant, tu appréciais déjà le fado euh... Hum, de façon inconsciente peut-être. C'est que une question que je pose souvent parce que plus on va dire nouvelle génération on, fait encore, on est encore jeunes quand même, n'est-ce pas? Big up. <laughs> Mais euh, moi le fado ça a été, je te pose cette question parce que moi ça a été au fur et à mesure. Mes parents écoutaient, mon père était fan, le grand chanteur préféré de mon père c'était Carlos de Carmo. Carmo. Mais moi du coup le fado l'apprécier c'est venu au fur et à mesure. Ouais bah écoute moi c'est c'est sûr c'est pas venu tout de suite parce que c'est comme je te disais quand on, la, la musique est venue tout de suite c'est à dire cette influence cette ouais. sensibilité forcément tu te chanter s'exprimer ça, ça c'est euh, voilà c'est euh, d'un coup euh, tu étais dans une assemblée puis il y a quelqu'un qui chante et puis tout euh, tu as l'impression que tout s'arrête ça devient magique un instant qui s'arrête comme ça dans dans le temps tu te dis mais voilà, c'est ça que je veux faire. Mais après, moi, mes premiers concerts, c'était pas du fado. Mon premier concert, moi, j'ai grandi dans le 18e, juste à côté de l'Elysée Montmartre. J'avais mon pote qui habitait en face de, des coulisses de l'Elysée Montmartre. Donc, on voyait, tu vois, le, le, les artistes. Et mon premier concert, je devais avoir 15 ans, c'était euh, Alpha Blondie. Alpha Blondie Ouais. Et, euh, et voilà, quoi, je, je suis allé là et je me suis dit, hey, c'est ça que je veux faire, en fait. C'est comme beaucoup de, de jeunes qui rêvent quand ils voient euh, des artistes sur scène. Et, et de fil en aiguille, euh, voilà, je me suis plutôt orienté vers la world, vers beaucoup de musique brésilienne aussi. J'ai écouté énormément de musique brésilienne. Mais pour répondre à ta question, que je, que je ne l'esquive pas, c'est vraiment euh, venu... C'est vrai que tu as raison, c'est venu un peu plus avec le temps, mais pas si tard euh, que ça hein, non plus. Je dirais euh, fin d'adolescence, euh, je commençais vraiment à me rendre compte de de quoi la richesse ça de cet art musical. ouais de quoi il s'agissait la richesse les sentiments je me souviens d'un de mes premiers concerts de fado c'était euh, à l'européen tu as joué d'ailleurs oui euh, à l'européen où, euh, où c'était donc argentine sounds et carlos zel qui sont des artistes de, 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 de fado incroyables enfin ceux qui connaissent un petit peu le, 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 le fado peut-être ça doit ça doit vous parler Argentina sounds ça sa maison de fado n'a, na en femme. Euh, et donc j'ai vu ça et euh, après, j'ai vu, tu parlais de Carl Du j'ai vu Carl Du Ducarne à l'Olympia. Euh, tu ma... l'as vu à l'Olympia Je l'ai vu à l'Olympia. Incroyable Ouais, ouais. J'ai vu Carl J. à l'Olympia. Et puis, euh... et un jour, j'ai été moi à l'Olympia aussi. C est, c est... On va en parlait tout à l'heure. Été... C'est un truc qu'on a aussi en commun. Ah Et oui. Eh, bon et vrai. grâce à la même personne. C'est vrai c'est cool, ça, c'est cool. <laughs> ça, c'est bien. <laughs> il y a des rencontres qui sont, qui sont importantes dans nos qui. Il y a des rencontres qui sont importantes. Et puis, euh, on en parlera tout à l'heure, mais il y a des gens qui donnent des coups de main quand, euh, quand eux, ils ont réussi. Et on va ça. faire un petit clin tout à l'heure à José Antunes. Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. On, on et à la, la famille. Ass... Et à la famille, à Nelson, à tout, voilà, quoi. Ouais. Brother. Donc, du coup, euh, mais ça, c'est pour tout à l'heure. On, on attend un peu. Euh, tu te lances dans la musique. Ouais. Euh, très vite euh, la guitare aussi. Ouais parce que la guitare c'est le c'est le moyen de comment dire d'expression de de pouvoir tout de suite euh, écrire des histoires euh, composer euh, interpréter moi j'ai mon premier euh, euh, j'étais fan absolu de, de Bob Marley j'avais des j'avais des posters dans la chambre j'avais euh... moi c'était Johnny Depp. <laughs> j'étais fan de 21 Jump Street. Oh yeah. C'était bien ça aussi 21, ouais. 21 James. Suis... Les gens ils commencent à. Il y a des gens qui écrivent. On est tous jeunes. Ouais. Ouais. On est tous on est, jeunes. On est, on est tous un peu mythos alors. <laughs> Bob Marley donc c'est une, une, euh, une grosse influence. C'est une euh, grosse c'est une grosse influence. C'est c'est pas juste euh, musical. C'est aussi un peu philosophique. Euh, voilà enfin, ça fait. C'est souvent le cas pour les gens qui sont, qui disent qu'ils mm -hmm. sont influencés par Bob Marley. C'est pas ouais. juste la musique. C'est pas juste le chant. C'est tout ce qui allait avec. La C'est tout, tout ce qui allait avec. Humaine. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Et so social, euh, euh, voilà, on a, moi je te dis, j'ai grandi dans le 18 e dans un quartier assez, euh, assez populaire. Cosmopolite euh, Très cosmopolite. Et euh, ça, c'était une richesse. Avec une diversité aussi euh, sociale, hein, parce que tu as vraiment plusieurs mondes qui se, qui se côtoient. Je veux dire, tu as le boulevard et d'un côté et de l'autre, euh, vraiment des, 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 des niveaux sociaux euh, différents. Mais tu pas mis à l'écart pour autant. Il y a, y, a y a quelque chose qui peut se, qui peut se passer à ce niveau-là. Et, euh, et oui, le, le, le reggae, c'est ma première école, c'est comme je te disais, c'est est mon estrugide de départ qui m'a ensuite euh, emmené vers d'autres musiques et notamment la, la musique brésilienne. J'ai découvert à, à Joao Gilberto, je ne sais pas, je devais avoir 20, 21 ans et là, je me suis pris une tarte absolue sur le... Là, pour le coup, sur la musique à proprement parler, sur le, le, la richesse harmonique, euh, sur, le, sur la poésie aussi, parce que c'est voilà, des, des textes magnifiques, on a la chance d'avoir le portugais. Et, et, et tu vois, dans le, dans le portugais, il y, a, il y a le fado, il y a notre culture, et puis il y a toute la lusophonie. On enfin, ne le dira jamais assez, puisque je l'ai encore entendu cet été au Brésil. On parle le portugais, et non pas le brésilien. Eh oui, c'est on... un portugais chanté mais c'est avec des quelques variations mais ça reste du portugais c'est du portugais jusqu'à ouais. preuve du contraire toujours et encore et toujours euh, Diogo je lui aussi Bob Marley il était fan apparemment il y a plein de gens qui réagissent bah tu vois bah, voilà, on est c'est une école c'est une école de vie pour pour beaucoup de gens et artistiques enfin, pas pas la seule mais c'est vrai que c'en est, est une importante ouais. si vous avez des questions n'hésitez pas à poser les questions aussi en direct parce qu'on voit les commentaires du coup après euh... L'idée de te lancer euh, à corps perdu dans cette passion prend de plus en plus de place. Mmh. Toi, est-ce que tu fais des cours, une formation pour, euh, ouais. pour développer ton art Ouais, déjà, euh, bah moi, les, à l'université, j'ai euh, donc j'ai fait un doc de, de portugais et ensuite une, une maîtrise de lettres, c'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai eu besoin d'aller euh, redécouvrir un peu la, la langue portugaise, la langue portugaise, la, la culture portugaise, l'histoire du, du Portugal et de, et de façon générale de voilà, de, de, la, de la lusophonie, parce que j'ai fait des, des cours aussi de civilisation brésilienne, de plein de. J'avais besoin de me, de me nourrir un peu de, de tout ça, quoi. C'est vrai on que. On est nombreux quand même à avoir besoin de faire ce parcours. Toi, en plus, tu as vécu là-bas, mais <coughs> j'ai eu. On a eu plein d'invités aussi dans le front qui nous ont qui parlé de, Qui sont à peu près de cet âge-là, Et même les plus jeunes, j'en parle, il y a ce besoin aussi. Euh, arriver à un moment, souvent, ça correspond au lycée, et un peu après, il ouais. y a une envie, un besoin de redécouvrir la culture portugaise, la langue. Ouais, c'est sûr c'est sûr après c'est pas pour euh, moment où on passe peut-être à la phase adulte ouais, ouais, ouais. on définit l'identité la valeur on vote on est qui ouais, on est quoi qu il y a cette construction qui est de c'est vrai c'est vrai c'est vrai et puis euh, on est qui on est quoi c'est venu aussi plus tard avec mon premier album qui s'appelle seconde génération où justement c'est euh, c'est un peu ça ce que je raconte dans cette chanson. Alors justement, parle-nous en ce, ce nouvel, ce deuxième album C'était seconde génération. le premier, le premier, c'était seconde génération et c'était vraiment justement une sorte de réponse à ça. Qu'est-ce qu que qu'est-ce que c'est être être seconde génération J'étais encore, j'ai fait, j'ai eu l'honneur encore il y a peu de temps de faire le, la, la première partie de, de Pedro Abrunhos à la cigale aussi et il y a quelques mois et j'ai joué seconde génération. Et je maintenant je, quand je présente cette chanson, je fais un sorte de petit texte je déconne aussi un peu parce que c'est quelque chose qu'on a en commun j'aime bien rigoler aussi tu vois. ça tombe bien, bien... rigoler c'est la vie aussi ah, hein. oui, j'aime bien faire le con aussi tu vois et, euh, et donc euh, donc ouais c'était c'est ça effectivement tu as besoin de découvrir nous on a on a eu nos parents nous ont donné cette cette fibre mais bon c'est vrai qu'on retournait chacun dans un peu dans nos villages dans nos et, et après euh, on avait envie de, de savoir plus, quoi. C'est cool, tu vois, aux fougettes ou au canoë la drar à 4h du matin. Aux fougettes, au canoë à drar à quatre heures du matin. C'est trop bon, non <laughs> <laughs> Ça dépend. C'est <laughs> 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 tellement bon, un canoëzinho à lui à la drar, personne ne peut dormir. Seconde génération, c'était ouais. important pour toi <tout> d'en parler. Ouais, c'était fondamental. C'était aussi euh, une façon de répondre à une question un peu con qui est et donc, qu'est-ce que tu aimes le plus Tu de plus Portugal ou de France Tu vois, cette question elle revient tout le temps. Elle revient tout le temps. Et pour moi, elle n'a pas de sens parce que euh, je, je trouve qu'elle elle, elle te conditionne un peu dans un truc à, à choisir, comme si, si d'un coup, euh, ah, c'était soit l'un, soit l'autre, et puis tu choisis ton camp. Oui, il y a même et eu les questions, je ne sais pas si tu as lu, si jamais un jour il y a la guerre entre le Portugal et la France, tu, 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 tu vas pour, tu sais, pour qui Tu sais, moi j'y ai eu, tu vas pour qui, tu défends qui non, suis, ah, déjà, Pendant On Suisse. va se calmer, <laughs> Au Portugal, déjà, on n'a pas de porte avions nucléaires, on n'a rien de tout ça. Donc, <laughs> nous, avant qu'on se batte, il va falloir attendre. Non, non c est c est mais clair, clair. voilà, il y a ce genre de questions qui arrivent. Non, Quelque même part, l'émission, moi, le franc, Le foot, même au foot. Le foot, c'est... C'est c'est con. Toi, quand tu as eu la finale de l'Euro, moi, les gens, ils me demandaient, ah, t'es pourquoi Moi, j'ai déjà gagné, moi. Mais oui. Tu vois, moi j'ai déjà gagné. Qu'est-ce que je vais dire C'est pour. Euh, J'étais. Après, content. on a un petit passement au cœur quand il y a un but des Portugais, mais. Ouais, surtout, surtout celui qui le marque. Ça, tu dis, t'y attendais vraiment pas du tout. Mais tu le vois pas venir, celui-là. Mais euh, oui, oui, bien sûr. Parce qu'en plus, eux, c'est la première fois. Donc, à, à ce moment-là, il y avait le truc de dire bon, ils l'ont jamais pris. Allez, c'est bien. Mais j'étais quand, quand même triste pour l'autre côté. J'étais content pour l'autre. Moi aussi, j'ai regardé. Ça me va très bien. Ouais. Je me souviens comme si c'était hier. Il y avait tous mes cousins. Et il y a beaucoup de couples mixtes dans ma famille. Maintenant, on était à peu près une quarantaine dans le jardin. Et pour tout vous dire, et c'est véridique, on était 4-5 à supporter le Portugal. On, on supportait les deux équipes, mais quand même, il y avait deux camps. 4-5 avec <laughs> ouais. le maillot du Portugal et du bleu, et blanc, rouge sur les joues, Et tous les ouais. autres étaient pour les bleus. Ouais. Et quand il y a eu le but du Portugal, et d'ailleurs si tu nous entends en Beijing. C'est pas ce qu'il est devenu. Dans toute ou... ta chair, la chère, la ville il a, a retrouvé, Eder. Je, 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 je vais regarder, mais je me demande s'il joue pas en, en Arabie Saoudite aussi. Ah, ou oui, bien alors il a arrêté. Peut-être il y joue encore. Je vais faire des petites recherches. N'hésitez pas à vrai. nous le dire. Y donc, pas lui, il, il y a Pauline qui si nous en vient un coucou. Tu donné du, du bonheur à beaucoup, beaucoup de gens. Et du coup. Et du coup, ça rejoint aussi ça, cette, euh, cette quête qu'on avait. Et dans ce ouais. travail, être les deux, être heureux en tant que Portugais en France et tout ça, ça nous a amené à plein de questions et à créer des choses. Moi, je pense que c'est aussi pour ça que dans bah, mes spectacles, je traite de ça, de cette thématique. Et toi, tu l'as porté aussi dans, dans, dans tes musiques, dans, tes, dans ton album, dans, dans tes concerts dans mes concerts ouais, dans, dans ce que je raconte aussi euh, sur scène parce que c'est vrai qu'on on, on, on a un micro on en profite pour dire euh, deux trois choses pour passer des sentiments dès qu'on a un micro on nous écoute ah c'est vrai que c'est bien donc euh... et puis quand on a deux trois trucs à dire et eh ben c'est encore mieux et euh, oui ouais, c'est vrai c'est vrai c'est quelque chose c'est quelque chose d'important et euh, mais qui se qui se limite pas non plus à cette à cette dualité parce mmh. que parce que le voilà le monde est grand et on oui. est comme euh, comme héritier de, des, des Portugais et tout ça, on le sait mieux que, mieux que personne, hein, que le monde, le monde des grands est grand et vaste et qu'on a déjà navigué un peu partout. Et voilà, moi je suis allé au Brésil, je suis allé en Argentine, j'ai eu besoin de, de connecter avec d'autres avec gens, d'autres cultures, et puis c'est ça qui, qui nourrit au final. Je suis complètement d'accord. Moi, quand à, à 18 ans, j'envisageais je, je, déjà, je rêvais de faire mon métier, j'en parlais pas à mes parents, mais. Moi, il a fallu que je fasse un truc important, c'est que j'aille à New York, oh, okay. parce que New York me faisait rêver au travers des séries américaines. L'Amérique oh, pour moi, c'était Hollywood, c'était New York, New York, c'était le théâtre, c'était Broadway. Eh ouais, bah, oui, mais, oui. Et donc j'y suis allé. Ouais. Et il mais fallait que je le fasse. Et puis après, j'ai fait une partie de ma formation théâtrale en Angleterre, à Cambridge. Tous les étés, j'allais faire des stages, et c'est là-bas que j'ai décroché mon premier rôle en anglais. Mais avant de vraiment beaucoup de parler à la limite de la culture portugaise, euh, bah, en fait, j'ai fait 15-20 années à parler de théâtre français, à jouer du Marivaux, du Molière, et à jouer en anglais. Des et tout plein d'autres choses. Mais Super. tout ça, c'était le me truc pour arriver à ce point de parler des choses qui étaient le, les ouais, ouais. plus fortes, les plus profondes en moi. Peut-être les plus enfouies et celles que peut-être j'avais le plus besoin de sortir. Mais là, il a fallu tout ce parcours Bien sûr. européen, un peu mondial, moins que toi, mais quand même un peu pour en arriver là. Oui, oui, bah ouais, ouais, non, c'est clair. Bravo, déjà, c'est un beau parcours et je pense qu'il y a pas mal de choses de, de, de similitude parce que, tu vois, moi j'ai fait ça à la fac un petit peu et puis après j'ai fait euh, ici à Paris une école qui est dans le 18e à Pigalle qui s'appelle Atla, qui s'appelle donc l'Atla le, le, World Music, tu vois, school, et, et, euh, et j'ai appris la guitare brésilienne. Et euh, le chant avec, euh, avec un, un brésilien aussi qui s'appelle euh, Rolando Faria. Un abraço aí para você, c'est Stiver pour aí. Ah, avec la petite voix chantée, tu peux le refaire. Et aí, un abraço pro meu amigo Rolando Faria. Voilà. <laughs> c'est Regarde très, très... l'heure qu'il est. Oui. Et on peut faire une petite pause musicale. Ah, ah ben bah, écoute. Euh, avec... Et après on va parler de... ah, avec un avec peu de l'Olympia. Allez ouais, ouais Des grands moments de, de vie. Et de Monsieur Pedro Labrunoza. Et de Monsieur Pedro Labrunoza ouais c'est vrai. Allez, un petit morceau. Je vous invite encore une fois à partager l'émission, à partager le lien, à l'envoyer à vos amis. C'est le retour du Huguemag. Aujourd'hui j'ai le plaisir pour cette reprise, pour cette rentrée, d'accueillir Monsieur Danny Selva qui va nous interpréter un deuxième morceau qui s'intitule Seconde Génération. là, de l'autre côté d'une montagne enneigée, un hiver qui nous était étranger. La famille entassée dans une voiture au papier périmé, on ne faisait pas les fiers en traversant la frontière. Le style un peu rétro, les bouteilles de Porto ont rappelé aux douaniers les souvenirs d'un été passé. À quoi tient un destin pour quelques notes de fado? On fait des secondes générations, nos racines au loin, secondes générations. On contribue à vos refrains, des secondes générations de ce monde. On est citoyens, des citoyens. Grandi par là, au pays de Voltaire et dans la loge de concierge, on ne payait presque jamais la lumière. Les matchs à la télé, y avait Zizou et Figo, on avait deux fois plus l'occasion de l'emporter à l'Euro. Mais des fans de trop pas sont en panne de visa. De nos jours, la police t'interpelle même à l'école d'en bas. Quoi tient destin? On veut des rythmes afro pour faire des secondes générations, nos racines au loin. Seconde génération, on contribue à vos refrains. Des secondes générations de ce monde qu'on est citoyen. <laughs> Bravo et vraiment merci, merci, merci parce que tout ce bonheur, tout ce plaisir, tu l'offres là en direct. Dans ce... Les gens ne le voient pas mais dans ce petit 9 mètres carrés. <laughs> où il commence à faire chaud. Ah, on est du sud, on s'en fout. <laughs> bravo, tu reçois plein de commentaires, plein de bravo, plein de félicitations des gens qui nous regardent. Vous êtes, vous êtes plus de 40 à nous regarder en, encore en direct, c'est juste génial. Merci beaucoup, n'hésitez pas à partager. Aujourd'hui, je suis avec Danny Selve, euh, chanteur, auteur, compositeur franco-portugais. Yes, euh, qui est né en France, qui a été vivre au Portugal jusqu'à ses sept ans, qui est revenu vivre en France, qui a découvert euh, la musique, sa passion, dans ce 18e arrondissement, ouais. qui ouais. a fait ensuite de sa passion euh, son obsession, qui a voyagé, ouais. que j'ai découvert au Gala Cap Magellan, et quelques années plus tard, tu sur la scène de l'Olympia pour accompagner en première partie un grand monsieur de la chanson portugaise. Ouais, Pedro, Pedro c'était euh... bah, un honneur parce que c'est vrai que pour moi en plus Pedro Bruniós c'est quelqu'un euh, indépendamment de. Enfin bon moi je l'ai déjà vu avec des, des des monstres sur scène. Je l'avais vu à Guimarães chez moi dans, dans... avec Masséo Parker sur scène. Enfin c'est est, quelqu'un. Est-ce de... Guimarães? Um bocadinho, olha lá. Centro do mundo. <laughs> Centro do mundo. Onde aqui resta. tudo começou. <laughs> tudo começou, depois o resto é só conquistas. É, mas <laughs> é isso que me dizem, meus amigos de Guimarães. <laughs> oh, de Portugal nasceu, ele me disse, ah, Portugal nasceu, José, Portugal nasceu em Guimarães, yeah, yeah. mas pode de Guimarães, eh? Portugal nasceu em Guimarães, o resto são conquistas. conquistas. Mas, bom, é mesmo... É um pouco verdadeiro? Não, eu ia dizer que é o filho de um duque de Borgonha, então... Muito bem. Então, isso vem... Um abraço muito forte, Dijon. Voilà, donc ça vient quand même euh, un peu de la France. Donc l'histoire frantugaise, elle est euh... depuis très longtemps, beaucoup plus longtemps qu'on ne le pense. Voilà, elle fait très, elle fait long time quand même. Mais donc, euh, donc ouais, euh, l'Olympia, l'Olympia, et, euh, et puis euh, récemment aussi, il m'a invité à nouveau euh, pour faire le, pour faire la première partie à la cigale avec Quentin durand chan c'était un spectacle extraordinaire. Et je te disais que c'est quelqu'un qui pour moi est important parce qu'au-delà de sa musique et de, de la qualité, de, de la richesse de sa, de sa musique, c'est quelqu'un qui a des textes magnifiques. Mmh. Qui, qui, a, qui a un propos, qui a, voilà, c'est euh, un, un véritable artiste, quoi. C'est pas, euh, pas juste, euh, je sais pas comment, comment dire, ouais. un showman. C'est aussi un showman, d'ailleurs. Ouais. <laughs> Il sait tout faire, le gars. Et qui Mais... prend aussi récemment des positions euh, fortes politiquement. Exact. Oui, 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 c'est pour ça que je te dis, c'est quelqu'un qui a un propos et euh, ouais, ouais, qui, qui aussi, euh, même, même à ce niveau-là. Et donc, c'est quelqu'un que, que j'apprécie beaucoup. Et donc... Euh, pas, tu ne fais pas la, partie, la première partie de n'importe qui. Oui. Pour moi, ça a un, un sens. Bon, si si c'est lui qui t'appelle, puis en plus une deuxième fois. Et surtout quand c'est une deuxième fois. Voilà, c'est que. Euh, et puis j'ai pu échanger avec lui euh, à plusieurs reprises. Et c'est quelqu'un que je, que je respecte beaucoup, qui, euh, euh, voilà, qui m'a permis aussi de, de rencontrer, enfin de présenter ben, notamment cette chanson, Seconde Génération, et puis I'm Singing for You, et, 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 et d'autres. Euh, bah, au, à son public et qui est euh, bah, c'est le public portugais euh, c'est un peu voilà ce, ce, le public de la, de la communauté euh, portugaise et puis certainement des, des français aussi euh, donc c'était un c'était un grand moment de c'était un grand moment de vie c'était un c'était un rêve euh, j'avais à peu la près pire, moi je crois que ça fait rêver tous les artistes qu'on soit chanteur ou un show humoriste après il y a pas de pièce de théâtre mais pour tous le, les gens qui vont dire sont dans l'univers musical chant chanson, concert humour L'Olympia, ouais, ouais, c'est le chose, truc quoi. moi qui me faisait rêver depuis... Enfin, il n'y a pas 36 000 choses... Enfin, il y a plein de choses qui nous font rêver, mais artistiquement, euh, si on dit... La première chose que tu devais faire, moi, c'était euh, aller à New York. Ouais, je ouais. voulais voir Broadway. Je pas joué, mais je voulais voir. En France, je voulais jouer à, à l'Olympia. En, en humour, je voulais faire le Festival de Montreux. Il oui, y a oui. des trucs comme ça qui nous... Ouais, 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 Et l'Olympia, ça reste... C'est vrai, c'est vrai. Bah, c'est tellement... C'est indescriptible. Je pense que tout le monde... Euh... Ah, les gens qui vivent là, même en France de façon générale, et puis, euh, puis même au Brésil, il y a un samba qui parle de ça, et les da, 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 da tu je vois, qui, qui parle aussi de ça, c'est-à-dire que c'est vraiment c'est une, une scène mythique, c'est des endroits qui te, je sais pas, qui sont imprégnés, tu arrives, tu as les posters as, je pas, derrière, ouais. bon, là, ça m'a marqué, tu as James Brown, tu as les Beatles, tu as, as toutes les photos, les affiches, et puis tu arrives, tu dis bon, bah tu... Quand tu es passionné, quand c'est vraiment quelque chose que tu as dans le sang depuis toujours, et je pense qu'on a ça en commun, bah quand tu arrives là, tu te dis bah, Je sais pas ce que je ferai après ou que ce qui se fasse passer, mais en tout cas, j'ai eu euh, mon moment de, de rêve. Et c'est beau de croire en ses rêves parce que moi, j'ai écrit une chanson juste avant qui s'appelle passeporte qui, qui est inspirée de la phrase d'Oscar Wilde qui dit Il faut toujours viser la lune parce qu'au pire, tu atterris dans les. Putain, étoiles. on a plein de références en commun, quoi. Alors, on avait deux, trois trucs à se dire. <laughs> faites pas attention, faites comme si on n'est pas là. Et en plus, Oscar Wilde n'est pas du tout portugais, il n'est pas lié à la culture portugaise. Bon, tu vois, mais ça en revient à, à, tu vois, ce, à ce côté anglophone et puis à ton, à ton voyage aussi initiatique et culturel euh, parmi la, la culture anglaise. Euh, mais voilà, et, et j'ai écrit Passaport, qui, qui, qui est une chanson qui raconte ça, quoi. Fais, fais toujours ce que tu portes, fais ce que tu crois, fais... Et c'est à ce moment-là où. C'est la première chanson que j'ai écrite quand je suis allé à Lisbonne, Ou à un moment donné, j'ai décidé de tout plaquer à Paris. Dit, je dis, vais, je vais à Lisbonne, je me barre. C'est là que là, je voulais en venir. C'est là où Racontons je un peu cette étape. Finalement, ah. puisque, voilà, à un moment, euh, tu vas quitter la France pour aller te réinstaller au Portugal. Ouais, parce que je. Il n'y a pas si longtemps que ça. Il n'y a pas si longtemps que ça, ouais. C'était en 2015, parce que j'avais fait un premier clip. Euh, avec euh, Thiago Pedro de Carvalho, qui est un grand ami que je, que je salue, que qui a fait mon premier clip sur euh, Au sol de la cidade berce. Voilà, que une chanson que j'avais écrite et un clip que j'avais. Vous pouvez retrouver tout ça dans les liens, mais en interrogeant aussi après sur la page YouTube, la page Facebook, Instagram. Je vous invite à vraiment aller liker, vous connecter, partager Silva. Je mettrai toutes les informations elles sont déjà en partie dans la présentation de l'émission, mais après je remettrai tout vraiment avec les identifications. Mais vous, déjà après l'émission, vous pouvez d'ores et déjà y aller et écouter, voir ces clips. Merci, merci beaucoup. Et je vois qu'il y a des petits messages. Bisous, hein, superbe. Merci Isabelle Ribeiro. Et, bah, voilà, et, je et vois. apparemment, Joaquina Teixeira est de Guimarães et elle est en ce moment. C'est ma maman. <laughs> ah Oh la maman Oh la maman Mais c'est cool. Ouais, tu vois, elle est là, c'est incroyable. Donc, elle est là-bas là là en magie. ce moment. donc. Elle est là-bas, elle est à Guimarães. Voilà. Je lui envoie un, un, grand, un grand bisou. Et ça se trouve, on a des amis en commun. Peut-être bien. On va en parler après l'émission. Bon, ça marche. Donc tu vas t'installer au Portugal. Je vais m'installer à, à Lisbonne, donc rejoindre euh, mon ami euh, Thiago, qui m'aide un petit peu, euh, voilà, à trouver euh, une maison. Et on, on, je me trouve un truc avec un petit citronnier, une terrasse, un endroit vraiment euh, top. Je me dis, je vais être bien là pour écrire des choses. Et la première chanson que j'écris, c'est Passaport. Et euh, c'est une chanson qui, qui parle de, justement quoi, de, 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 de tous ces rêves-là, de, de, de faire, de toujours tenter, parce qu'il reste toujours quelque chose. Faut, si tu ne fais rien, c'est comme les pubs du loto, tu sais, j'aimais bien ces pubs-là. Il faut de l'action. Il faut de l'action. Il faut de l'action, il faut faire et... des choses. Après, ça marche, ça ne ouais. marche pas, mais euh, ce n'est pas en attendant, il y en a espérant, en imaginant, les, les... il faut faire. Il faut faire. Et, il faut et, faire. Du, et Dieu sait que tu sais de quoi je parle, parce que je, je, je vois que, tu, que tu, bosses, tu bosses beaucoup et que, et que tu mérites aussi euh, tout ce qui t'arrive. Voilà. Alors, moi, je parle du principe que quand, quand j'ai fait mon école de théâtre, moi, euh, j'ai regardé un peu ce qui s'écrivait un peu pour comment devenir artiste, comment réussir. Ouais. Il y avait déjà quelques petits trucs. Mais en fait, en cherchant bien au fur et à mesure du temps, il y avait tout plein de livres qui expliquaient les choses, qu'est-ce qu'il fallait faire. Et en fait, ce n'était jamais la même chose. Et en fait, finalement, mais il faut trouver son chemin. Il faut trouver son chemin. Il ouais. faut se planter. Il ouais. faut prendre des risques. Ouais. Et par exemple, tout plaquer, et aller vivre au Portugal, clair, à Lisbonne. Bien. Tout vous dire, moi, jusqu'à un moment, j'en rêvais. Ah oui J'en rêvais. Moi, je suis tombé amoureux de Lisbonne. Je ne suis ah. pas de Lisbonne, mais je suis tombé amoureux de Lisbonne ah, pareil, quand je suis allé. Pareil, pareil. Mais à un moment, s'est présenté l'opportunité pour y aller, m'installer et vivre, après ma première tournée. Mais je pense que j'ai eu un peu peur. Et puis, j'avais du travail en France, alors je n'ai pas voulu risquer. T'as bien fait. Il faut, faut faire au feeling. Moi, à ce moment-là, bah, j'avais rien de, de précis ici j'avais vraiment cette envie d'y aller de, de, de tenter euh, et voilà j'avais envie d'écrire aussi en portugais de, de chanter en portugais et faire du reggae en portugais je, 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 je croyais à ça et puis de mettre de la guitare portugaise dedans alors j'y suis allé j'ai écrit euh, passaporte qui a été une de la première chanson mais après sont venues d'autres chansons notamment i'm singing for you et puis plein d'autres choses qui si tout va bien sortiront pour le deuxième album en 2024, parce que j'y travaille. Et, euh, et voilà, et ça a été le, 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 la première chose que j'ai écrite. Euh, j'ai eu de l'amour, je, je, je suis tombé amoureux. Du coup, je... c'est ça aussi, Lisbonne, t'as <coughs> apporté même quelque chose au-delà de, du travail. Le plus important, euh, voilà, la, la, la femme de ma vie et puis mon fils. Et, euh... Qui est arrivé il n'y pas très longtemps? Arrivé il y a cinq ans, ouais. J'aime beaucoup le clip où, où, où tu fais des percus. Ah oui, il de petit, C'était pendant le, le, le confinement où j'ai pris ces, ces petites. Si vous percus. avez l'occasion, mais n'hésitez pas à aller sur la chaîne YouTube. Enfin, c'est pas si vous avez l'occasion, non, il va bah, falloir y aller. Pour bon, aller regarder <laughs> le clip qu'il a fait avec son bébé, puisqu'il était bébé, oui, il était il petit, était, il était bébé, et as ouais, fait un quoi. clip de percus, mais j'ai adoré. Ah merci, merci beaucoup. Ouais, c'est je... Tout ça avec des choses très simples, c'est-à-dire les jouets. Oui, ouais, j'ai fait une. Parce que je produis aussi, donc j'ai mes, mes, mes outils de production. Donc euh, à la place de, le, de, de, de tous les ingrédients de la polyrythmie brésilienne, d'abatocade, j'ai mis euh, bah, ces trucs euh, à lui, quoi, ces petits instruments, ces petits trucs qu on, qu on, avec lesquels on fait de l'éveil musical. Et puis à la l'avant. Moi, ça m'a fait penser, mais en fait, on peut faire de la musique avec. Avec tout. Euh, avec pas grand-chose. Avec tout. <laughs> pas grand-chose. C'est ouais, comme il n'y a, a pas longtemps, euh, Renava Orelsan ouais. euh, disait euh, pour faire du cinéma, il faut mm -hmm. un truc qui filme. <laughs> c'est à peu près ça. Hein. C'est à peu près ça. On a souvent tendance à vouloir beaucoup de complexité. Du moins au départ, je pense que souvent, quand on commence, on se cache derrière une, une complexité pour se prouver à soi-même qu'on sait faire. Et puis il euh, y a un moment donné où, bah, voilà quoi, quand tu prends un peu d'expérience de, et que tu connais, euh, tu connais ton art, tu connais, tu, tu dis tout ça, c'est pas, c'est des conneries quoi. Ce qu'il faut, c'est juste des idées. Euh, de l'envie, de la passion, et puis, euh, et puis voilà, balance. Donc, euh, et et je suis content que tu me parles de ça, parce que c'est un truc dont je suis, euh, je suis particulièrement fier, et j'espère qu'il le sera aussi un, un jour, plus tard. Moi, j'en suis persuadé. <laughs> Il y a Isabelle Ribeiro qui a fait un gros coucou et qui dit euh, qu'elle veut faire un duo avec toi. Bah, tu vas la contacter, vous allez discuter. C'est aussi à ça que ça sert cette émission. Faire des rencontres, faire des découvertes. Elisabeth Teixeira qui nous remercie. Euh, merci pour cette belle découverte. Il y en a qui doivent partir, ils doivent reprendre le boulot. Si vous avez encore le temps, restez un peu, encore un peu avec nous. Il est 13h45, on est avec euh, Danny Silva. Euh, non, ciao, <laughs> je suis un peu ciao. fatigué. <laughs> Il commence à faire vrai. très chaud. Je ne sais pas comment, combien il fait. Là, je ne bouge plus mes bras parce qu'il colle. <laughs> il commence à, à faire un peu chaudite. <laughs> le prochain invité est Cristiano Ronaldo. Nous sommes en direct des studios de 9 mètres carrés du Front Game euh, que je suis très fier d'avoir, mais dans lesquels il fait déjà, je pense, 50 degrés. <laughs> On est avec Danis Selva, qui est mon invité. C'est la reprise. Nous sommes le vendredi 8 septembre 2023. Yeah. Déjà un peu plus d'un an d'émission du Front Game euh, nouvelle formule. On a découvert un chanteur qui nous a fait une traversée Portugal France Lisbonne retour en France avec la famille qui est installée. La rentrée s'est bien passée du coup avec le petit Très bien, très bien. C'est un petit gars incroyable. Ouais. Ouais. J'en Je pas, nous. Parle de sinon à on France, churar, <laughs> et, <carassos. rire> Non mais moi aussi j'en profite pour glisser à, un petit mot à à Matalia. Je suis super fier. C'était super beau, cette rentrée à la maternelle. <laughs> je ne pouvais pas, à mon ouais, oui, pouvait oui, ressentir oui. des choses comme ça. On ouais. euh, savions euh, où était ouais. C'est vrai. J'en profite. Bah, voilà. Moi, je démarre mon nouveau spectacle la semaine prochaine. Euh, c'est samedi 16 euh, septembre à 21h. C'est au Théâtre du Gouvernais. C'est le nouveau spectacle. C'est le troisième. Cette fois-ci, c'est pas un One Man Show. C'est un seul en scène. Et il est spécialement, d'ailleurs, dédié à Talia Hugo. Bien. Voilà. Euh, pour, ceux qui, pour ceux qui viendront le voir, ce sera tous les samedis jusqu'à fin décembre, bah vous comprendrez pourquoi. Et, et voilà, euh, n'hésitez pas à m'envoyer aussi plein d'énergie, plein de force, parce que c'est une première. Une première, c'est toujours un peu flippant. Euh, voilà, c'est quasiment plein déjà, samedi prochain. Il reste encore quelques places de disponibles, n'hésitez pas. Euh, J'espère que... Oui, tu viendras, qu'on pourra discuter un Donc, peu après. Sûr, en sûr. tout cas, ce sera le cas. On pourra discuter après chacune des représentations. Puisque je pense que ce spectacle euh, va vous parler encore plus que les précédents, puisque bah, pour ceux qui suivent les vidéos, bah, c'est la continuité. Ce sera l'aboutissement sur scène des vidéos que je fais depuis très longtemps maintenant, et en particulier celles que j'ai commencé à faire depuis juin-juillet. D'accord. Et qui, grâce à vous, ont eu pas mal de succès. Et vous êtes juste en deux mois, euh, 12 000 de plus à me suivre. Obrigado. Euh, J'en profite pour vous rappeler d'aller sur la page à présent de Dani. De liker, de partager, de découvrir son univers. Euh, on va bientôt devoir se dire au revoir, parce que ça y est, on a encore dépassé les 48. Merci pour cette rencontre. Euh, à chaque fois, il y a plein de gens qui me disent en commentaire à la fin des émissions on aurait aimé savoir plus de trucs. Bah, maintenant, à vous de jouer, allez sur les réseaux sociaux, partez à la découverte de son univers. Et Dany, moi, je te remercie de tout mon cœur d'être venu, d'avoir accepté mon invitation, d'avoir été le premier invité de cette nouvelle formule, puisqu'on garde la même chose, mais avec un peu plus de moyens. Ah oui. J'ai passé le cap pour avoir une meilleure image, pour avoir un meilleur son. J'en profite pour remercier tous les partenaires parce que maintenant l'émission est également diffusée sur le Lousso Journal en direct. Obligatoire à toute l'équipe de me faire confiance maintenant depuis deux mois. Euh, C'est un bonheur d'être diffusé en direct, en, en partenariat, en collaboration avec le Lousso Journal, ainsi que Bandy, et Bandy qui est aussi une grosse structure qui permet d'être vu au Luxembourg et partout dans le monde. Bref, merci, merci à tous euh, pour euh, bah, cette confiance merci à tous les invités qui sont venus depuis le départ parce que du coup c'est aussi grâce à vous que tout cela a grandi avance merci et puis merci à toi de de nous faire de nous donner aussi cet espace d'expression et de nous permettre de rencontrer de connecter toutes les personnes qui sont là derrière Mario Ribeiro. Marino, <laughs> Elisabeth, il y a tout plein de gens, on vous embrasse tous. L'émission n'est pas finie, on va avoir droit à un dernier cadeau. Le troisième, euh, une troisième chanson Qui s'appelle passeport <laughs> Moi, je vous donne donc toutes mes dates. Là, à partir de la semaine prochaine, tous les samedis, c'est 21h. Euh, Danny, vous allez pouvoir le retrouver sur les réseaux sociaux. L'album va sortir en 2024. Yes, I. Yes. Et euh, oh. avant que tu chantes, euh, c'est la tradition aussi maintenant, depuis euh, quelques émissions. Euh, moi, je vous embrasse. Je vous dis à tous très bientôt. Partagez l'émission, regardez-la en replay, envoyez-la à vos amis pour que tout cela continue à grandir et que, bah, je ne sais pas, dans un an, on se dise allez, la moyenne, ce soit 20 000 et que, pouah, on est des studios avec de la clim. <laughs> on éclate tout. En 2024, on éclate tout. Et, euh, et que, du coup, bah voilà, tu as la parole, le micro pour le dernier mot et après, je reprends le micro pour écouter la dernière chanson. Eh ben écoute, merci, merci beaucoup à toi. Merci beaucoup à, à tous. Euh, voilà José fait, fait ce, ce travail-là et tout ce qu'il fait, c'est aussi euh, bah, pour nous donner du, du plaisir, du, du bonheur. c'est euh, Je pense que quand on est artiste, c'est ça qui est le plus important. Donc, euh, je vais y œuvrer aussi de mon côté et j'espère euh, voilà très vite vous proposer de vous rencontrer sur, euh, sur scène à Paris ou, ou ailleurs. Et, euh, et en attendant, euh, je vous laisse avec un petit, un petit dernier voyage. Celle-ci s'appelle donc passeport Este mundo são dois dias. E hoje está na conta. Ha! Nunca mais vou fingir, nem tampouco fugir, do que levo dentro de mim. Oh, Amor para deixar a dor fora. Ficar atento quando a minha hora chegará. Com asas nos sonhos, a vida é dura, porém eu não invejo ninguém. Cultivando o meu jardim, não há fronteira que dará cabo de mim. Eu tirei passaporte para o céu. Carimbei as estrelas. Eu tirei passaporte para o céu e quero lá saber o que a gente vai dizer. Eu tirei passaporte para o céu. carimbei as estrelas. Eu tirei passaporte para o céu. A sorte só se A Audácia que levas em ti. Prometo, my brother, and you're gonna be stronger Para escolher o teu caminho Há sempre quem te diga não vais conseguir Isso é areia, a mais, não vale a pena insistir E não, 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 não Não, não, não esqueças de ser Melhor a cada Ser A tua identidade, não é para vender a vulso em qualquer leilão. Eu tirei passaporte pro céu. Carimbei as estrelas. Eu tirei passaporte pro céu. E quero lá saber o que a gente vai dizer. Eu tirei passaporte pro céu. Passaporte para o céu, a sorte só sorri o é que levas em ti. Uh. Os anos não andam para trás. Bora lá desenhar o teu cartaz. A razão é que governa, mas a paixão é que faz história eterna. O meu poço encheu do que a vida me deu. Sei que a minha gente não tema tempestade a meio do refrão Eu tirei passaporte pra